Lasternas, Gaëc Lasternas, sur la commune Saint-Cerf-les-Champagnes, canton de la Noaille, nord d'Ordogne. L'histoire d'exploitation, elle a démarré en 1992, donc il y a bientôt 30 ans. J'ai repris l'exploitation derrière mon grand-père, en Gaëc, entre époux, donc avec Isabelle, mon épouse. On a notre fille aînée qui nous a rejoint sur la structure. On a diversifié un petit peu les productions, puisqu'on a mis en place un atelier de complémentaire d'engraissement de porc bio sur paille, où on fait à peu près 650 cochons par an. La paille, elle est ensemencée avec... entre guillemets, des bactéries positives. L'objectif, c'est d'ensemencer les litières en bactéries positives pour venir contrecarrer les bactéries qui peuvent être négatives pour assurer une bonne ambiance au niveau du bâtiment et essentiellement aussi au niveau des animaux. La structure a démarré la conversion vers l'agriculture biologique en 2018. Tous nos animaux sont inscrits au livre généalogique de la race pour certifier tout ce qui est parenté, généalogie et performance des animaux. On est en production de viande bovine, notamment en label rouge blason prestige. Aujourd'hui, on exploite 160 hectares de SAU, 120 hectares d'herbe et 40 hectares de culture. Sur ces 40 hectares de culture, on retrouve du maïs. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est en technique en TCS, technique culturale simplifiée. C'est-à-dire ça fait 15 ans qu'on a arrêté le labour au profit du travail superficiel du sol. Vous pouvez voir aujourd'hui que globalement, pour un maïs bio sans aucune intervention chimique, un enherbement qui reste tout à fait correct et maîtrisé. On prépare régulièrement des animaux pour les présenter sur les différents concours qu'on peut avoir l'occasion de fréquenter. On était cette année à notre 13e participation au concours général à Paris. On fait à peu près une dizaine de sorties par an. Et c'est quelque chose là aussi qui nous occupe pas mal parce qu'en amont, eh bien, c'est le dressage des animaux, de la préparation, donc ce qui vient en plus du travail quotidien sur l'exploitation. Exploitant, c'est un choix personnel. C'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, dans les gènes, qu'on souhaitait faire. Le plus beau métier du monde, je veux dire, c'est la nature, c'est les animaux, c'est très beau, philosophiquement parlant.